Ok, donc c'est Riot Civil Unrest, et c'est normal que vous en ayez pas entendu parler, parce que c'est un petit jeu, et bien qu'il ait eu une release physique, il est vraiment junk de malade. Donc, on va faire une mission d'histoire, on va faire une mission tranquille, en mode contre. Contre, c'est le mode versus en gros, hein. Ça là, c'est pas trop fort au niveau du son là, non, ça devrait être bon. Ok, contre. Voyons voir. On va se foutre évidemment du côté des CRS. Et donc t'as plusieurs maps. Baisse le son. Je vais baisser un petit peu le son. Bouge pas. Tac. Parce que du coup oui, le jeu tourne super mal en fenêtré, donc t'es obligé de le foutre en plein écran. Et puis là. Et puis voilà. C'est bon, c'est mieux là. Vous allez être mieux là. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc oui, t'as plusieurs maps. Donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Brésil, le Chili, et t'as la France. Et mais ça a rien changé, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, je vais lui faire vraiment fermer sa gueule parce que Yon, ça a commencé à me mettre de travers, bordel. Tac. Donc t'as Clichy-sous-Bois et t'as Notre-Dame-des-Landes. Et je sais pas comment on fait pour débloquer Notre-Dame-des-Landes en fait. C'est quoi ça? Deux adolescents sont tués par électrocution sur un titre EDF. Ah oui, je me souviens! Les deux jeunes qui avaient fui les flics. Et il s'était électrocuté dans un transformateur. Et je me souviens de ça. Exact. Et oui, pour le truc des gilets jaunes, c'est un autre menu. Pour débloquer les maps, faut faire le mode global. Et avancer dans le mode. Oui, c'est des trucs vrais. Donc là, t'as les émeutes de Foxconn en Chine. Et oui, France, du coup, Notre-Dame-des-Landes, c'est un vrai site, hein, c'est un vrai truc. Corée, ouais, émeutes de Londres, Occupy Auckland, mouvement turc du parc Gezi, révolution ukrainienne. Mais il y a des trucs de fou, mec, hein. Expulsion à la Madela, non mais c'est vénère. Et du coup faut faire des missions en global, c'est ça. On va faire une en global, parce que je crois qu'on commence avec des missions plutôt tranquilles en global, il me semble. Bienvenue dans le mode global. Choisissez votre faction et préparez-vous. Chaque action aura des conséquences. Vos missions deviendront de plus en plus difficiles si l'opinion publique n'est pas en votre faveur. Les couilles. Lorsque le jeu devient trop dur, essayez de refaire les missions antérieures avec de nouvelles stratégies et un nouvel équipement pour essayer d'améliorer l'opinion publique globale. M'en bats les couilles, mec. Je vous dis keuf. On va plutôt vous cul. Donc du coup on va commencer. La première mission, c'est la mission en Italie, expulsion à la Madela. Dans le Val de Suse en Italie, les habitants luttent contre la corruption qui se cache derrière la construction d'un train à grande vitesse européen estimé à 23 milliards d'euros. C'est y part, mon gars. Tu commences avec rien et tu débloques au fur et à mesure. Vise les yeux, utilise ton LBD. Pète tes gueules. Ok, c'est y part. Et je crois que ouais, pour l'instant, donc si on finit cette mission, on va déverrouiller le lance fumigène. Ok. Je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que ce sera visible. Ouais, non, c'est bon, je me suis pas gouré. J'espère que ce sera bien visible parce que c'est assez petit, mais on va essayer de se démarrer, d'accord. Oh, tu peux littéralement partir sur une histoire alternative, si genre une manif qui s'est passée pacifiquement dans la vraie vie et que tu tires dans la foule à balles réelles, par exemple. Oui, parce qu'en plus, au début, t'es obligé de faire un petit peu avec les flashballs, etc. Mais ensuite, t'as des vrais guns, je crois. Hein. Il me semble que t'as des vrais... Oh, il y a une cinématique. Non, ils ont foutu les cinématiques. Ils ont foutu les cinématiques. Polizia con la puerta de la spaghetti. C'est bien foutu en vrai les cinématiques. Oh, c'est Beware, on entend que dalle par contre. C'est bon, ça arrive. Est-ce qu'il essaie de me faire sentir de l'empathie? Primo Victoria. To the gates of hell. À tous les corps, ouais, tout. Voilà, impeccable, regarde-moi ça, ça c'est bon ça. Regarde-moi ces criminels qui causent des éboulements. Fudrazi Line, Primo Victoria. Yes. Donc, en gros, on peut choper, on a plusieurs squads qui sont représentés en haut à droite par les petites icônes. Et moi je les dirige avec les joysticks. Et par exemple je peux prendre mon groupe de flashball. Et voilà, on leur fait tirer dessus directement. Et en haut on a plusieurs modes, on a un mode pacifique et un mode violence, genre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu te rapproches toi? Pourquoi tu te rapproches, espèce de malade? Attends, vas-y, t'es où? Viens là, qu'est-ce qu'il y a? T'es où? C'est toi là? Eh connard. Tiens, casse-toi. Hop, ensuite par exemple on prend les boucliers, on les fout en mode vénère. Tac, et là normalement ils vont tabasser quand on se rapproche. Fais voir. Si on regarde de près, normalement ils vont tabasser. Ouais, ils sont en train de tabasser. Voilà, impeccable. Ouais, je joue à la manette, ouais. Mais ça se joue bien mieux à la manette, mec, hein. Je vais prendre une autre escouade, je vais les foutre eux aussi en mode vénère.
Allez les gars, ça tabasse, On a encore ça, ok. Et donc le but, c'est de pousser les terroristes, les rebelles comme ils disent, loin. C'est tout, ah, c'est pas encore chargé. Ok, on a aussi eux qui pour le coup ont des vraies grosses matraques. Et qui sont un petit peu vénères. Ah ouais, ils chargent. Vas-y, bourrine, bourrine. Attends, il me reste une munition là-dedans. Tac. Ça gueule encore? Est-ce que ça gueule encore? Oui, ça gueule encore. Non? Attends, je peux baisser encore un petit peu, hein. Je peux baisser encore un petit peu comme ça. Tac. Voilà. Enculé. Tac. En gros, moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment spammer. Et du coup, t'as plusieurs skills en haut avec X, A et B, comme vous pouvez voir. Et par exemple, X, bim, ça me fout en position un peu tortue. Du coup, je vais le faire sur mes deux trucs. Comment? Voilà, celui-là. Hop, là, on est en position de tortue. E au milieu. Je vais lancer une autre troupe. Voilà, E. Je vais les foutre en mode hostile aussi. Et je vais les bourriner. Et en haut, t'as l'opinion publique en haut. Et comme vous voyez, elle est en train de se diriger fortement vers les manifestants, du coup, parce que je suis en train de les matraquer à mort. Et c'est cool. Putain, je veux mon dernier... Non, pas formation. Non, garde les mêmes formations. Je veux mon dernier putain de LBD, là. Voilà, celui-là. Impeccable. Ah, ils sont tous là-bas réunis, là. Oh, c'est super. Ça, c'est un bon tir, ça. Ça, c'est un bon tir, Michelons. Ça, c'est bon, ça. Toi aussi, en mode hostile. Voilà, impeccable. À prendre E. Ah oui, vous voulez passer? Je crois pas, non. Macron démission, tu vas voir. Oui, c'est un lance fumigène, c'est pas... C'est vrai que c'est pas un... Hey, il me lance des trucs! Mais t'es malade! Attends. C'est quoi ce délire? Ils sont en train de me lancer des bâtons, les mecs! J'hallucine! Faut les tous en mode hostile. Ah bah non, mais de ouf! Attends, parce que là, j'aime pas trop ce qui se passe, là. Ils sont où? Attends, eux, ils sont en train de rien branler, là. Ah putain, mais t'étais pas en mode hostile, vous, là. Allez, bourrine, on fonce dans le tas, c'est bon, ça. Bien joué, les gars. Petit lance fumigène. Tac. Lui, c'est bon. Merde, attends. Voilà. Non, lui, voilà. Pareil, vous, fumigène. Voilà, impeccable. Casse-toi, toi. T'en veux une? Tire à balle réelle, t'attends quoi? Mais ouais, mais j'ai pas, mec, je peux pas. Voilà. 5, 6, 5, 4, 3... 2, 1, allez, et bim! Et donc, du coup, voilà, Scholar, la remarque que tu as faite, c'est une très bonne remarque, tu les as repoussés hors de la frontière, et bah du coup, l'objectif est réussi. Et ensuite, on peut voir un petit peu l'étendue du carnage, et ça, c'est intéressant. Résultat politique, moins 31, défaite politique, ah ouais! Résultat militaire et résultat politique. Ah non, y a pas les stats? Ah non, c'est dommage, d'habitude, y a les stats. Ouais, bah du coup, j'ai perdu, ouais. Du coup, j'ai perdu parce que j'ai perdu politiquement, en fait. Yep, jouer en manifestant, c'est vraiment foutre la merde. Parce que dans les autres missions, quand t'es en mode versus, du coup, quand tu fais des parties, tout seul, tu vois, et que tu décides un petit peu ce que tu veux, t'as des scores, avec le nombre de mecs que t'as buté, le nombre de mecs que t'as blessé, etc. Est-ce que je peux montrer ça? Je sais pas si je peux vraiment choisir ce que je veux. J'aimerais bien avoir les balles réelles pour voir comment ça va, comment ça se fait, parce que j'ai pas encore utilisé. Y aurait où des balles réelles? Vendredi de la colère en Égypte, ça se fait ça, non? Oh, les Égyptiens, ils vont avoir des balles réelles. Non, putain, y a encore mon PC portable qui s'est allumé tout seul. Mais ça me stresse, mec. Est-ce qu'il va y avoir des balles réelles? Ouais, en Égypte. Et c'est dans le mode personnalisé. Ah, je vais essayer après. Une émeute est le langage de celui qui n'est pas entendu. Ah ouais? Tu veux le langage de celui qui a les... Oh! C'est des guns, ça, non? Oh non, c'est juste des fumis. Oh non! Par contre, la map, elle est super stylée, par contre. Non, c'est juste des fumis, les mecs, je crois. Vas-y, mode hostile. Et on les chope, les gars, on les chope tous. Lui, là, pareil, mode hostile. Putain, j'en ai beaucoup, des mecs, là! C'est vénère comme truc! La map, elle est ouf, hein! Allez, manière forte, ouais, on en chope. Provoquant, moi je suis provoquant, je crois pas, non. Moi ça me dit rien, là. Là, tel que t'en parles, ça me dit rien. Bourrinez-les. Full sentimental tout le temps, voilà, c'est bien, ça disperse, ça.
Il y a des maps où il y a vraiment beaucoup de monde. Et du coup, je trouve que l'idée est vraiment bien. Mais il y a vraiment des gros problèmes au niveau du jeu en lui-même, hein, au niveau des options qui se gardent pas, au niveau de l'UI qui est éclaté. Tout ça, il y a des trucs qui sont vraiment pas top. Oh là, il commence à faire une contre-offensive. Ça, c'est pas bon, ça. Comment ça, violent? Rébellion doit maintenir position. Ah oui, d'accord. Attends, pourquoi il se barre? Vous barrez où, vous? Alors, eux aussi, je vais les foutre en violent. Putain, ça fait une grosse ligne, c'est cool, ça. Position de la tortue d'un point de vue animalier. Vous aussi, en mode violent, là. Repoussez-les, les autres cons, là. Eux, là. Matraquez-les, on s'en bat les couilles. Foutez-vous en position de quinconce. Voilà, on se met dans la quinconce, là. C'est plus tard dans la campagne où t'as la possibilité d'avoir des guns et des véhicules et des tanks. Non ! Oh, truc de ouf ! Je savais pas ça ! Ah, mais je vais continuer à y jouer, moi, si c'est comme ça. Formation escarmouche, ouais, escarmouche, les escarmouches, bien leur race, là. Cassez-vous. Voilà, j'adore le bruit, par contre, des fumis. Je suis pas arrivé aussi loin, mais ouais, ça va être galère. Le jeu, il est vraiment dur, par contre, hein. Il coûte combien? Je crois qu'il coûte genre 10 balles, un truc comme ça. Il coûte vraiment pas cher. Et il est plutôt marrant, je dois admettre. Mais il est assez frustrant parce qu'il y a de temps en temps les unités qui répondent pas bien, etc. Tu vois. Fais voir. Et ils sont où mes fumis là? Mes fumis. Voilà. Ouh, cassé. Attends, mais j'en ai encore eux qui foutent rien là. Allez, tabassez-les là! Attendez quoi? Je sais pas à quoi ça sert. Il y a une radio, tu vois, mon skill A en haut à droite, c'est une radio. Et je sais pas à quoi ça sert. Bourrinez-les. Voilà, c'est bien, on les repousse. Il y en a encore là-bas, là. Cassez-vous, les hippies, là. Voilà, encore 13 secondes. On en maintient pendant 13 secondes et on est bon. Putain, ils font une contre-attaque. Radio, c'est pour les rassembler, d'accord. Vas-y, distribuez les pains, c'est bon, ça. Et boum. Zone libre. J'adore. Et oui, d'ailleurs, c'est pas des manifestants. Le nom de la faction en face des factions des flics, voilà, ça se voit en haut. C'est pas des manifestants, c'est des rebelles. C'est des putains de rebelles. Et oui, du coup, victoire rebelle, parce que moins 100 au résultat politique, vu que je les ai littéralement tous exterminés. Et j'en ai tué zéro. Oh, ça sert à quoi si j'en ai tué zéro? Et j'en ai blessé 255 quand même. J'avais fait tout à l'heure, pendant que j'étais en conversation avec Spider et Momo, je crois que j'en avais tué genre une dizaine. Tu sentais que c'était quand même Tandax, quoi. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, principalement... Ah oui, attends, personnaliser. Est-ce que je peux faire en personnaliser? Est-ce que je peux... Mode spectateur, si tu veux juste voir des gens se péter la gueule. Mode personnalisé. Fais voir. Je sais pas comment on fait. Indignados, no te ave... Je sais pas ce que ça fait, ça. C'est quoi? On peut partir sur Notre-Dame-des-Landes avec ça? Y'a Clichy, ouais, y'a Clichy sous bois, c'est où? C'est là. On rit de la colère. Objectif, occupation, dégagé, temps restant. Attends, c'est quoi les autres objectifs? Résistance, contrôle de foule, progression de la police, vandalisme, rôle inversé. Fais voir. Ah, matériel défensif inutile, hostilité, furieuse, enragée. Participation attendue, tiens, regarde, un foot masse de participation. Objet disponible. Ah, alors. Mais attends, mais c'est les... Je joue pas les flics, du coup, là, si? Molotov? Putain, mais regarde. C'est complètement pété, le truc. Pétard, Molotov. Si, je joue les flics. Ah oui, non, du coup, j'ai mis rôle inversé, je suis con. Attends. Contrôle de foule, voilà. Entre guillemets. T'as mis rôle inversé. Bah oui, mais... Non? Caillou, Molotov, encore. Tu dois choisir pour tout le monde. Ah, je dois choisir pour tout le monde, d'accord. Bah, on va leur foutre des mégaphones, je sais pas, je m'en bats les couilles. Des pétards, tiens, pourquoi pas des pétards. Full divisé diamant, ouais, ça on s'en fout. Allez. Ah, yes. Ok. Je veux littéralement des guns pour tout le monde. Matraque en plastique, matraque, bâton, matraque. Non, attends. Artillerie. Oh non. T'es sérieux? C'est quoi intervention? Vous avez pas des guns, vous, là? Oh, mec! Je croyais que c'était marqué ton matraque extensible. Je croyais que c'était marqué matraque explosive. Tu mets 50 mecs dans chaque unité. Mais ouais, mais j'ai pas les guns! J'ai tué des lances fumigènes, là!
Vas-y. Il y a un flingue normalement à la place de la radio. Non, pas avec eux. Fais voir, assaut. Bombe fumigène non plus. Non, il y a pas, mec, hein. Putain, j'ai pas de gun. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais juste faire une autre petite partie, histoire de vous montrer un truc vite fait. Et ensuite, je couperai. C'était juste histoire de vous montrer, histoire de vous donner l'eau à la bouche. Attention, Steam Workshop. Et attention. Et là, ça déconne plus. Et là, j'ai envie de dire, c'est là que tout se joue. Tac. Location. Oui. Oui, mesdames et mesdames. Yellow Vest. The protesters dubbed the Gilets Jaunes. The Yellow Vests, after the high visibility jackets they adopted as a symbol of the complaint, blocked roundabouts, burned effigies, and clashed with the P. Fuck the P, dude. Allez, c'est y part. C'est y part. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'habilité. Exact. Exact. C'est un vieux gauchiste qui a fait le mode. Ah ouais? Tu paries? Tac, on va se foutre en mode hostile. Directos, poteau. Allez, les gars. Ils sont où? Ils sont où, mes petits flashs? Allez, mange ça, ta race, là. En plus, il y a masse de monde. Il y a masse de gilets jaunes et pas beaucoup de flics. Matraque, 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 direct. Matraque, matraque, matraque. Attends, je crois que j'ai des grenades assourdissantes. Fais voir, fais voir. Tu l'as lancé? Je sais pas s'il a lancé. Petit coup de flashball en même temps. Oh yes. Oui, c'est clairement pas pour la police, c'est clair. Ah, il a lancé la grenade. Attention. Non, c'est juste une fumigène. Tire, tire. Non, j'ai plus de munitions, ok. Employons la méthode forte, tu m'étonnes, je suis en train de matraquer tout le monde. Pourtant, regarde en bas, regarde l'unité en bas, mec. La presse va pas nous rater si on se montre trop violent, mais ils s'en battent les couilles. T'as bien vu IRL comment ça se passe, mec, hein. Regarde, regarde, ça c'est une bonne ligne de front, ça. Ça, c'est une belle ligne de front, ça. Voilà, impeccable, on va faire avancer eux. On va faire avancer eux aussi, attention, petit coup. Voilà, cassez-vous. To the gates of hell, as we make our way through heaven. Ton fourgon, poteau. Mais oui, mais je peux pas m'en occuper de mon fourgon. Attends, parce que je les aime pas derrière. Et on flashball là, attends. Eux, on va les faire avancer par là-bas. Et vous, vous allez disperser eux parce qu'ils m'énervent. Tiens, cassez-vous là. Vous voulez des tartines? Vous voulez des tartines? Allez les gars, embarquez-moi ça. Voilà, embarquez-moi 2-3 là, que ça les empêche de jouer au con. Tiens, VIP aussi, ici aussi. Hop, une petite grenade. Tranquillos, envoie la grenade, envoie la grenade. Envoie la grenade. Tu envoies la grenade. Et attends, vas-y, prends-les en taule un petit peu là, vas-y, vas-y. Voilà, les gens perdent la tête, c'est rien ça, on s'en fout, on s'en fout. Les fourgons, quand tu déplaces en mode hostile, tu peux écraser. Mais je peux pas jouer le fourgon, mec. Je peux pas conduire le fourgon. Tu vois? J'ai que mes 3 unités en haut en fait. Donc, ouais, non, les charges, elles sont bien, mais. Ils sont. Putain, je suis en train de me faire repousser là. Vous voyez bien que je suis déjà repoussé! Allez, matraquer, matraquer, matraquer! Ils sont où mes flashballs? Regardez, vous êtes pris en tenaille, c'est chiant ça! Oh, les coups de pied! Je sais pas si vous voyez l'unité qui est tout à droite, c'est mon unité de flashball. Et eux, ils donnent des pains et des coups de pied quand ils ont rien, parce qu'ils ont pas vraiment d'équipement adapté pour. Les pauvres. Bon, c'est bon, on est en train de les repousser là, putain, j'aime pas ceux qui se séparent. Allez, virez-les là, virez-les comme ça là. On va les foutre de l'autre côté avec les autres. Tiens, je vais les faire disperser, eux, ils m'énervent. J'ai l'impression qu'ils se croient tout permis, là. Allez, 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 allez. Faudrait des personnages uniques, tu vois, tu pourrais foutre, ouais, Benalla. Enfin, y'a que Benalla, en fait. Ou l'autre, là, le flic aux US qui avait gazé des étudiants qui étaient assis tranquilles par terre. Attends, je vais me remettre en mode non-violence. On va peut-être pouvoir les calmer un petit peu, et on les met en tôle. Allez, en tôle, les gars, en tôle, en tôle, en tôle, en tôle, on les chope, on les chope. On les chope. Attends, 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 arrêtez la violence, mec, arrêtez la violence, on va les mettre en tôle plutôt. En tôle plutôt. Voilà, pacifique, pacifique, voilà, tranquille. On règle les problèmes de manière tranquille à la méga forge, voilà. Voilà, flashball dans ta gueule par contre, toi. Il va pleuvoir des fers à repasser, regarde ça. Tac, aïe hop, ramasse-la celle-là. Touche pas au camarade. Il y a une représentation du boxeur qui avait défoncé un flic sur le pont. Putain la vache, c'est vénère ça. Mais dans les guides du jeu, donc les mecs qui sont occupés un petit peu d'écrire des trucs intéressants,
Et il y a des mecs qui détaillent vraiment des putains de tactiques pour pouvoir... Attends, mais je suis encore en violence, là? Ah, je suis encore en violence. Non, mais mettons en mode non-violence, c'est rien, regarde. Regardez, nous sommes des copains. Nous sommes ici pour... c'est particulièrement à cause des Black Blocs, hein, vous savez. Ça, les Black Blocs, oh, on les aime pas, nous, hein. Allez, foutez-le en taule aussi, là. Tout le monde en zonzon. Commencez au frais, un peu. Formation escarmouche, bourrinez-les, vous. Voilà, regarde. Dans le tas, mon gars, en position escarmouche et on fait reculer tout le monde à coup de matraque. J'adore. Bon, le truc, c'est que ça avance pas, quoi. Je crois qu'on va même rien gagner avec ça. Attends, on va essayer de les repousser. On essaie de les repousser une nouvelle fois. Je sais pas si ça va compter le fait qu'il y en ait 4-5 là qui traînent derrière. Ah, on continue là. En Grèce, t'avais les CRS qui avaient des démonstrations de tactiques romaines qui utilisaient pour contraindre la foule. Ils faisaient toutes les tortues, formation en tiroir et tout. Formation en tiroir, c'est quand même moins classe qu'une formation en tortue, je suis désolé. Déjà, rien que animalement, un tiroir, c'est quand même bien moins mignon qu'une tortue. Donc, après, je dis ça, je suis pas expert animalier, hein, mais... Lance la grenade. Voilà, c'est bien. Foutez-vous en mode pacifique, vous. On va en emmener 2-3 en zonzon, ça leur fera les pieds. T'as désobéi à ta mission. Cassez-vous. Tout le monde panique, t'inquiète, on va commencer à foutre des coups de matraque, ça va pas. Ça, ils seront plus sûrs déjà. T'inquiète, on va leur retirer le doute. Qu'est-ce que vous faites, vous bande de malades? Tac, mange ta race. J'adore ce boulot. T'es défoncé. Non, sergent chef. Tout le monde panique. Ah ouais, tout le monde panique, regarde. T'en prends 2-3 pour aller en tôle, t'es sûr que ça panique vite, hein. Eh, c'est pareil, eux en tôle. Il me reste qui? Je crois qu'il me reste juste ma troupe d'assaut. On va aller se foutre dans le tas et on va les tabasser. Et ensuite, je vous montre la deuxième map de Gilets jaunes. Tac. Oh la vache. Violent, mais tu m'étonnes. Non, mais on est en train de se faire attaquer aussi, hein. En fait, limite, je pense que tu peux faire une partie où tu lattes tout le monde. Tu gagnes littéralement par KO, en fait. Voilà, grenade dispersante. Voilà, ils sont bien dispersés là, je trouve. Allez, en zonzon, vous aussi. Putain, mais ils reviennent à chaque fois, hein. J'ai connu des cafards moins opiniâtres. Casse-toi. Cassez-vous. Foutez-en en tôle encore. S'ils comprennent pas, ils comprennent pas, les mecs, hein. Tu vas perdre le combat politique. Pff, n'importe quoi, il y a bien un petit BFM TV qui va me dire que les prolos, c'est les terroristes quand même, non? Quand même. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. T'as genre 95% de résultats militaires. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Parce que c'est pas vraiment de la... Comment on dit... Merde, comment on appelle ça? De la répression. C'est clairement de l'assassinat, en fait. Ah, là, je les repousse, c'est bien, là. Hop, on va leur balancer un petit coup de... Tac, par là. On va essayer de virer les... Mais cassez-vous, c'est pas un squat. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Cassez-vous. Je vais essayer de faire une dernière ligne de front. On va essayer de les virer par là-bas. Il y en a qui courent encore à l'intérieur, hein. Ils comprennent pas, hein. Voilà, tranquille. Position tortue d'un point de vue animalier. Voilà, mettez-vous comme ça. Vous, c'est pareil. Et vous, je suis désolé, mais là, vous allez me contraindre à utiliser la violence. Et vous savez que j'aime pas ça. Putain, mais ils sont rentrés quand même. Mais vous cherchez les nions, en fait. C'est ça, votre problème. C'est aller dans un coin. Mais ouais, mais ils arrêtent pas de rentrer. Attends. Cassez-vous. Voilà, cassez-vous. Eux là par terre, c'est pareil. Tiens, regarde, tu sais quoi, je vais les prendre en tenaille. Eux là, le petit groupe qu'il y a là. Voilà, en tenaille entre deux putains de groupes. Ok, allez, on monte, on les fait monter. Tac, on va se foutre en formation en ligne. Vous aussi, formation en ligne. Matraquez-moi ça. Putain, c'est opiniâtre le gauchiste, hein. C'était tu un prolo, non mais oui, de ouf. Après, ça m'étonne pas qu'il y en ait qui pètent un plomb, qui commencent à mettre des coups de coude dans le tas, hein, franchement. Hein. Voilà, cassez-vous. Voilà, ça se manie de mieux en mieux, hein. J'avoue que j'ai de moins en moins de mal. Mais ouais, je vous conseille pas d'essayer de jouer en... Comment on dit? En fenêtré, parce que le jeu pète vraiment un plomb. Je crois qu'il y a un perso qui est pété, là. Il est en train de foutre des pains. Voilà, impeccable, ça m'a débloqué, c'est bon. Tout le monde s'est calmé et s'est ressaisi. Eh ben écoute, on peut passer en mode normal. On peut plus les gérer, les gens perdent la tête. La violence mènera nulle part.
La violence mènera nulle part, tiens. Allez, continue à les matraquer, là, c'est bon qu'on en finisse. Tac, on les pousse, on les pousse, on les pousse. Rébellion doit atteindre la cible en une minute. Du coup, c'est bon, non? Voilà, parce qu'il en reste 2-3 là, mais je sais pas s'ils vont faire chier. Voilà, c'est bien la répression là, bravo les gars. Eh, fumigène. Tac, allez, cassez-vous. Foutez hors des lions là. En plus, c'est vraiment parce que les flics sont vraiment habillés en black bloc quoi. Non, 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 putain, ils commencent à re-rentrer encore. Ils commencent à re-rentrer encore, mec. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. 10 000 manifestants, Ruru intervient, Ruru intervient, 18 000 morts. Parce qu'on en a ramené, on en avait en rab, et du coup on en a ramené. Attends, on va se foutre en mode pacifique. Tac, on va leur claquer des petites grenades. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Restez là, restez là, restez là. Ils sont où ma troupe d'assaut? Ils sont où eux là? Ici. Ah mais ils sont chiants comme tout. Attends, peut-être encore 11 secondes, je sais pas si ça va... Si j'aurais gagné ou pas en fait, parce que je pense que je dois juste empêcher la rébellion de réussir. La rébellion. 3, 2... 1, attention. Manifestation Arte. Yes. Fais voir un peu les scores là. J'ai dû en tabasser plein, mec. Oh, j'en ai pas tué. Putain, 71 arrestations. 535 blessures, mec. Mec, j'en ai blessé la moitié. J'en ai tabassé plus de la moitié, poteau. Oh, j'adore. Résultat politique moins 100, tu m'étonnes. Alors attends, il y en avait une autre que je voulais vous montrer parce que j'ai deux modes. J'ai deux modes avec les gilets jaunes. Bouge pas, je vous montre ça encore une fois. On va s'en refaire une, ce spartiate. Ah non, mais de ouf, mais moi faut pas me mettre. Attends, faut me foutre en flic, moi. Hein. Tiens, c'est du travail bien fait. Et du coup, alors on a encore un Yellow Vest Clash Hall. Can you keep the control of this street of Paris? Will you choose the soft protestation way or will you use the force? I'm gonna fuck those commies up! S'il fallait absolument choisir entre la violence et la lâcheté, je conseillerais la violence. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence. Merci Gandhi, toi et tes bombes nucléaires. Ok, c'est qui part? Déjà flashball immédiatement. Tac, cassez-vous. Formation en ligne de manière isocèle. Et vous allez me tabasser ça. Et alors vraiment, je veux du sale. Hein. Moi, je veux du sang, je veux de la chic. Je veux que ça chiale, je veux voir des yeux en moins. Non, non, vraiment, vraiment bourriné, les gars. Faut pas avoir peur, hein. Pas avoir peur, je vous promets. Allez, hop, vous aussi. Mode vénère. Et eux, je sais pas si vous voyez dans l'icône de A, mais ça, c'est du vrai lacrymo, pour le coup. Regarde. Tac, ça fait un petit pchit. Voilà, et tout le monde se barre. Ah, c'est beau, quand même. Et vous, vous avez des stuns, je crois, non? Je crois que c'est des vrais stuns. Oh, oh, ça, c'est bon, ça. Allez, restez là. Vous restez bien en ligne. Vous, c'est pareil, et vous, vous foutez en haut. Voilà, ça c'est une bonne stinger, une vraie putain de stinger. Voilà, 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 on les repousse, tranquillement, il faut que ce soit fluide, fluide, les gars, fluide. Ça essaie de rentrer à l'intérieur, là, ça essaie de rentrer, là. Coup de fumée, tac. Une petite stinger là-dedans. Attention. Ah, cassez-vous, là. Yes! C'est bon, regarde. Eh, c'est pas beau ça? C'est pas beau comme gestion de la foule? Eh bien sûr. Putain, y a une faille à gauche là! Ah! Faut la tenter celle-là! En haut. Oh non, non, formation en ligne. On reste en ligne. Y en a deux qui sont passés derrière, c'est pas grave, on les ignore. Grenade. Bah évidemment qu'ils jettent des trucs. Attends, ils sont en train de combattre pour leur vie, mec. Tac, vous c'est pareil. Un petit coup de pchit. Ça... Bourriné. Si vous avez encore des grenades, c'est que vous avez pas bourriné assez. On y va. Le LBD à bout portant. Mais je sais pas, je crois que c'est juste un fumigène. Hein. Attends, on va en faire un petit coup parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas compris. Tiens, mange ça. Mange ça aussi, tiens. Voilà. Et on va... Non, reculez pas. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Est-ce qu'on ferait pas une petite arrestation coup de poing là-dedans, là? Allez, formation en ligne. Tac, on va les repousser un petit peu. Et hop, coup d'arrestation pendant que les autres ils se replacent. Ils sont où eux là, voilà. Et pendant que les autres ils sont en train de se faire arrêter, on canarde ceux qui restent.
Tac, repousser la faction adverse. C'est bon, ça avance les gars, ça avance là. Ça avance là. C'est bien, on est bien. Hop. Tac. Il y a des moments où le son marche plus vraiment au niveau du LBD ou du lance fumigène, enfin du fumigène. Donc je suis désolé. Ah 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 ah, attention, attention, il y a une faille à gauche là. 4, 3, 2, 1. Bonne année. Je sais pas si je suis en full violence par contre, parce que en haut j'étais pas tout à droite. J'étais pas à l'extrême droite en haut. J'étais un tout petit peu. J'étais LREM quoi. Oh, j'en ai tué aucun. Boum. Victor policier. Victor policier. Victor policier. Ça c'est parce qu'ils ont commencé à balancer les pavés ça. Ça c'est un nono ça. Hein. Ça c'est un nono, faut pas faire ça. Hein. Dégâts matériels, ouais, ils ont tout éclaté. Total violence 4.4, on est bon. Avec 31 mecs, j'ai quand même réussi à en blesser 69. Putain, mais j'ai tué personne. Ça me dégoûte. Mais bon. À un moment, je voulais tenter l'école de police juste pour devenir CRS et péter les gueules. Waouh, les mecs équilibrés quoi. Alors qu'est-ce que c'est le mode histoire du coup? Fais voir. Putain, ça me gratte le nez. Ah, non. Difficulté éprouvant. Non, fais-moi difficulté facile. IA instantané. Fais-moi en trop facile, voilà. Notav, Keratea, Arab Spring. Vas-y, on va faire le printemps arabe pour voir. Sur la place de Tahrir, les gens de toute l'Égypte manifestent contre les crimes et la violence qui accompagnent le régime de Hosni Moubarak. Ouh, Moubarak, c'est un vénère, je crois, non? Il c'était pas forcément un gars qui était super gentil, il me semble. Allez, on va essayer de faire ça en flic. Commence par Notav. Non, je commence par le printemps arabe parce que c'est joli le printemps arabe quand même. Regarde. Allah. Ne faites pas l'enfant. Il va la fermer sa gueule. Oh, oh. J'ai des guns. Mec, en Égypte, le taux de chômage est élevé et la pauvreté s'accentue de jour en jour. À New York. Mec, c'est badant un peu quand même, non? Une cellule de crise a été mise en place. J'allais dire mettre la musique d'Isis, mais vous allez vous faire ban. Ah, et puis c'est vénère un peu, c'est... Après avoir passé 30 ans en état d'urgence... Ah ok, tant pis. Très bien. Après avoir perdu son triple A, la France riposte. 11, 12, 13. Viva l'Égypte française. Vous avez les guns ou quoi, vous? Lance fumigène, matraque longue, matraque longue, lance fumigène, matraque longue. Fais voir, qu'est-ce qu'on... On a accès à quoi, sinon? Bombe fumigène, grenade étourdissante. Non, j'adore, mec. Non, 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 faut pas me foutre la radio, faut me foutre des stuns. Bien sûr qu'il faut me foutre des stuns, t'es fou, quoi, toi. Tout le monde, hein, tout le monde des stuns, d'ailleurs, hein. On part sur de la, voilà, on part sur de la stun généralisée, en fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Grenade stun. Oui, oui, non, la radio, c'est pas grave. La radio, c'est pas grave. Tant qu'on a des grenades stun, on s'en bat les couilles. Voilà, grenade stun pour tout le monde, je te promets que ça va être un feu d'artifice, mon gars, le printemps arabe, tu vas l'entendre de Tahrir jusqu'à la région parisienne. Regarde, regarde, aucun, bim, grenade étourdissante. Et vous avez matraque longue simple et vous avez bâton en bois. Matraque longue lourde. Mais évidemment, mec, mais évidemment. Mais évidemment, matraque longue lourde. Oui, bisous, Nick Nick, merci de passer, mec. Maintenant, passe pas lui, lui là, matraque longue simple. Non, 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 matraque longue... Télescopique, regarde, matraque extensible, matraque plastique. Fais-moi la matraque longue, lourde, voilà, c'est plus ou moins en fait une IPN. Foulée en défense lourde, ils sont vénères, les gens sont vénères. Ouais, oh là, t'as un problème. Défense moyenne, lourde, ouais, évidemment. Masque à gaz, 2, pourquoi pas. J'y vais à fond, moi, le printemps arabe, je te promets que ça va être... C'est plutôt l'hiver. Lourde, y a pas très lourde, non. Ok. Le mec, c'est comment, le bulldozer de Fallujah, c'est ça? Sur le même 4chan. Mon gars, le budget castaner, il va faire la gueule. Hein. J'ai quoi comme une grenade fumigène? Celui-là, il est plus cher, ça va être mieux, non? Je sais pas trop ce que ça fait. Lourde, 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 lourde. Eh ben écoute, c'est parti. Budget total, 17 000 balles. Moi, ça me plaît. La révolution n'est pas une pomme qui tombe quand elle est mûre. Vous devez la faire tomber. Waouh, si merde, Che Guevara. Et les civils que t'as buté, on en parle ou pas, Che? Janvier 25, 2011. Oh mec, c'est chaud, c'est badant de ouf. Oh la vache, j'en ai en train de faire défoncer. Oh, c'est vénère, mec. Ouais, alors du bon, ouais, à mon avis, ça va être pas tranquille.
Bon alors déjà, disperser la manif. Voilà, déjà ça va être plus ou moins dispersé. Il m'en reste encore, j'en ai plein. J'en ai plein des comme ça les mecs. Allez, cassez-vous là. Putain, rentrez chez vous. Ah, y'en a qui s'est bloqué, merde. Les deux sont emmêlés, merde. J'ai les troupes qui s'emmêlent. Merde. Attends. Non, changer de formation. On va se foutre en formation plutôt en... Merde. En défensive, voilà. Formation défensive. Tac, vous allez bouger un petit peu quand même parce que vous me saoulez. Voilà. Par ici. On va en foutre quelques-uns en tôle. On disperse, ça disperse. Si c'est bien les gars, on est bien. Formation en ligne s'il te plaît, on va les repousser par en bas. Pour se laisser faire quand même. Tac, on les rush. Voilà. Chut, doucement. Pas trop. Ils tapent pas de gens. Mais non, mais c'est le printemps arabe, c'est joli le printemps arabe. J'ai pas envie de tout niquer quand même avec des actes de violence. Et non. Et une petite stun pour être sûr que vous avez bien compris le message. Tac. Ça, si tu l'as pas mangé, bon, elle est sur nous, mais c'est pas grave, on a des masques à gaz. Hop. Alors, attends, est-ce que je peux me foutre en formation en V, tiens. Bon, ça, on va les repousser tranquillement. Eh, attends, ils sont en train de se... Non. Vous allez vous calmer, vous. T'as lâché 50 stuns dans la tête de manifestants, mais tu restes pacifique. Bah oui. Je me fous en provoquant, comme ça, je gagne le droit de passer à BFM TV, je suis pas fou, hein. Allez, cassez-vous, là. Vous voyez pas que vous dérangez, putain. Ici, là. Et puis pareil, foutez-vous en formation en V, vous les repoussez de front là. Non, formation en ligne, et vous les repoussez de front. Voilà, attention. Kaboum! Provoquant, tu m'étonnes. Allez, on ratisse. Et voilà. Oh putain, oh ça me fonce dessus. Ok, mode violence. Oh là, mon gars. Ah, faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ça là, je me fous en mode violence là, y'aura plus personne, mec. Hein. Mode violence, les gars, mode violence. Vous tabassez tout ce qui passe. Tac. Voilà, ça c'est bien ça, cassez-vous. Cassez-vous, con manifestant. Cassez-vous, con de mime. Voilà, ça c'est bon ça. Ah, ça disperse là, hein. Il est comment ton printemps? Ça sent la dégelée ou pas? Boum, zone libre. Alors par contre j'admets que là ça a peut-être été un petit peu chaud au niveau politique parce que j'ai vraiment tabassé tout le monde. J'en ai tué ou pas? Eh, j'en ai pas tué. Boum. J'ai blessé 118 mecs, j'en ai capturé 6. J'ai failli tuer une vieille, j'aurais dû y aller plus fort. Mec, je suis tellement machiavélique. Vendredi de la colère, chapitre 1. Opening 1, campagne des indignés. Lance fumigène M79. Ah, ça existe, les M79 lance fumigène. Alors ok, c'est du caoutchouc. Mais là, mon gars, là, le taf, je te promets que ça va être chaud. Attends. On va ajouter de l'artillerie, déjà. Balles réelles. Bah, bien sûr. Non, mais carrément, balles réelles, matraque longue. Non, vous aussi, vous pouvez pas avoir des balles réelles aussi, vous. Attends, non, je peux pas les virer, eux. Non, je peux pas changer ça, ok, d'accord. File-moi matraque télescopique, tiens. Alors là, par contre, je te promets que ça va être... ouais. Là, il va y avoir des trucs, là. Il va se passer des choses, hein. On les fout en lourd et on va leur foutre dans la main. Est-ce que je peux leur foutre? Non, radio. Police se rassemble, hausse de concentration et discipline. C'est bon, ça. Deux ablènes. Bon, fumigène, non, tu vas foutre une stun. Voilà. Alors là, mon gars, les balles réelles, je te promets que ça va fuser, là. Lourde. On est bon. Le bain de sang, non, là. Les interventions en formation tortue sont dures à repousser, mais peuvent plus facilement être touchées par des cocktails Molotov. Ah, je crois que c'était un ancien politique qui avait dit ça. Ah, c'est Ground Zero, ça, non? Fous pas tes hommes devant, t'inquiète pas, mon gars. J'espère qu'ils les ont tous, par contre.
J'espère qu'ils ont tous un gun et que ça fait une colonne de feu, un peu comme dans les guerres napoléoniennes, tu vois. Oh mec, c'est super. Oh putain, il y a vraiment des morts pour le coup. Ok. On est tipar ou on est pas tipar? C'est lesquels? C'est lesquels? C'est eux, c'est eux, c'est eux. Allez, tout devant. Tout devant, les gars. Tout devant. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Oh. Et là, j'ai un camion en plus. Attends, voilà. Eux, c'est pareil. Tout devant, tout devant, tout devant. Et arrêtez de lancer les trucs, ça fait mal quand même. Voilà. Allez, on avance. Il peut pas avancer le camion? Merde, je suis en train de rouler. Ok. Bourrine, bourrine. Voilà, c'est bien les gars. On continue, on tire dedans. Non mais c'est les terroristes, mec. C'est les terroristes. On provoque un peu, c'est rien. C'est les terroristes. Voilà. Oh putain. Allez, on fait quelques stuns. On avance, on avance. On les tabasse, on s'en fout là. On va gagner la guerre diplomatique. Là, franchement, je sens qu'on est bien parti. On se rassemble, on charge. Mec, je suis effrayé. Rien qu'à regarder ça, ça me fait peur. Je peux avancer mon camion ou pas? Non, il marche pas le camion. Non, je crois que le camion peut pas avancer. À moins que je le foute en position vénère, le camion. Non, je peux pas. Ah, c'est dommage. Ok, eux, c'est pareil. Position vénère, position 1-2. Et ils sont en train de nous envoyer des trucs quand même. Ils nous envoient des chaises quand même. Je veux pas faire la victime, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils nous envoient des chaises quand même. Moi, ça me plaît qu'à moitié, hein. Ok, les gars, formation en ligne. On va les empêcher de passer, on va faire une ligne de front, d'accord? Tac, regarde, on va se foutre en formation en ligne. Bouclier. Bouclier. Pilum. Pourquoi ils s'arrêtent pas? Allez, les fusils à pompe devant, là. Repoussez, cassez-vous, là. Putain, vous comprenez pas que vous risquez la mort? Tac, allez, hop. Attention, 1, 2, 3. Tiens. Ouf. Vous pareil, vous pareil, vous pareil. Ils passeront pas, ils passeront pas, mec. Ils passeront pas. Là, c'est du no passaran tout court. Ouf. Oh la vache. Mec. Encore un petit. Mais ça se recharge vite en plus ou pas? J'ai l'impression que ça se recharge vite. Oh la vache! Après, y a pas beaucoup de cadavres. Oh 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 oh! Encore un petit coup, on a gagné, mais quand même, histoire de bien. Merde, je crois que j'ai tué les potes, c'est pas grave. Histoire de bien être sûr. Ah yes! Alors, par contre, là, c'est mort. Là, je te promets qu'une victoire totale, c'est complètement mort. J'ai été tellement violent. Regarde, j'ai tué personne! J'ai tué. Moins 20? Attends, tout à l'heure j'ai tabassé tout le monde, j'ai eu... Non, c'est pas des balles réelles du coup, c'est du caoutchouc. J'ai tué personne. Bah... Mais j'ai tué personne. Oh non. Ou alors c'est comme les Acnictel en fait, j'ai tiré trois fois dessus, du coup ça a fait disparaître les corps. En tout cas, victoire politique, on va peut-être déverrouiller les trucs. Fais voir. Projectile en sachet M580. Oh, ça c'est les... comment on appelle ça? Les beanbags. Ça c'est les beanbags et ça fait vraiment vraiment très très mal par contre. On voit très clairement des gens morts. Non, justement, attends, fais voir. Chevrotine. Projectile en sachet, lance fumigène, projectile en sachet. Je pense que c'était juste mal écrit et qu'en fait on n'était pas vraiment censé en avoir. Oh, là par contre on a des vrais guns. Tout le monde a un gun. Ouais, tout le monde a un gun. Hein. On sait jamais, ils sont fourbes, hein. Tout le monde a un gun, on a tous un gun. Parce que là, mon gars, il va y avoir de la bavure, là. Police brutality coming up. Filme-moi aussi des matraques qui font mal. J'ai pas un truc, tiens, regarde, matraque extensible, ça a l'air sympa, ça, non? Je pense qu'il faudrait que je refoute, en fait, le jeu en anglais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des traductions qui ont un peu pété. Unité d'assaut, vous allez jouer foot en lourd aussi, parce que ça m'énerve. Matraque télescope, ouais, matraque extensible pour vous aussi. Je veux le meilleur matos pour mes hommes, d'accord?
Et s'il y en a un qui crève avec sa matraque encore propre, j'encule son cadavre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Tiens, regarde, je vais te foutre en lourd, toi aussi. J'allais dire massacre. Vous avez les projectiles en sachet, ça me va. Vous, par contre, je vais vous foutre autre chose. Tiens, un petit lance-fumine. Non, chevrotine, encore. On va partir sur la chevrotine. Ça ira, ça ira, ça ira. Le « Allez, il me fume un peu. » Ouais, non, j'avoue. « I have the power of God. » Alors là, mon gars. Oh, je vais me battre dans l'espace. Non. Il y a un smartphone. Oh, il n'y a plus Internet. Est-ce que c'est une émeute parce qu'il n'y a plus Internet? Quoi? Non! C'était où, ça? Oh la vache! Oh la vache! Mec, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, il y avait un drapeau Antifa. Mec, est-ce que t'as vu qu'il y avait un drapeau Antifa? Momo! Oh la vache! Mais ils l'ont tiré dessus! Ah, c'est encore printemps arabe? Ah voilà, mon gars... Ça va être le Thanksgiving rebeu, hein. La violence ne nous mènera nulle part. T'inquiète pas, on a les gueules. Il est mort, les gars. C'était pas le drapeau de l'Egypte? Ah, si, peut-être. Non, oui, t'as raison. Faut maintenir l'unité sur la place. Déjà, là, il nous attaque. Déjà, j'aime pas, là. Attention, on va se foutre là. Bougez pas, les gars. Attention! Voilà, ça, c'est des vrais tirs, ça. Ça, c'est des vrais tirs, ça. Cassez-vous, vous. Pour foutre la merde, non? Tirez-leur dessus. Voilà, ça, c'est bien, ça. Bon sang au meurtre. Ouais, mais pourquoi t'as pris une position politique? Je peux savoir. Pour libérer ton pays. Ça sert à quoi? Après, ils sont en train de se battre pour Internet. Donc après, je comprends, tu vois. Limite, je peux les comprendre. Il y en a un qui m'a envoyé un parapluie dans la gueule. Alors ça va se régler à coup de poing, ça. T'en bouge pas. Là, il y a des morts. Ouais, voilà, il y a des morts. Allez, tire. À la Hongkongaise. T'as tiré, là? Merde, on a pas entendu, ça a bugué. Pas grave, tac. Violent. Dites pas ça. T'as rien, t'as pas mal. Attention. Merde, je crois que j'ai failli tirer sur un pote. Fais voir. On recule. On leur fait peur à coup de gun. Voilà, t'as pas du tout tiré où je voulais que tu tires. C'est pas grave. Il a consciemment tiré sur un être humain. Tirez, faut leur faire peur. Ça va les étonner, je te promets qu'ils vont être... Allez, tire. Voilà, là, ils ont bien peur. Là. Police doit maintenir position pendant 4 minutes. Et putain, la vache, non, ça va être vénère. Violent, non. Alors là, non, c'est jamais. Vous avez encore les trucs en caoutchouc, là? Pour voir... Ah, cassez-vous. Oh! Alors par contre, je crois que là, il y a eu des morts encore avec les beanbags. Ah, ça fuit, là, hein. Ah là, mon gars, ça fuit. Je te promets que... Et puis, dans tous les sens du terme. Reculez. Putain, je suis bloqué par un petit arbre. Cassez-vous, les cons, là. Putain! Rentrez chez vous! Un petit coup sur ceux qui fuient. Oh mec, y a tellement de sang par terre. Non mec, y a tellement de morts. Je pense que là j'ai tué beaucoup de gens, quoi. Dans le tas. Tire dans le tas. Faut leur faire peur, là. Bon, quoi, y a pas venir se battre. Tac, allez, cassez-vous les cons, là. Putain, ils continuent à arriver, hein, mec, hein. Voilà, merde, j'ai tué sur les potes. C'est rien. Tire, balle réelle. Voilà, je crois que j'ai tiré sur un cadavre, mec. Mec, les cadavres, ils bougent. Oh, la tristesse du bordel. Tire là-dedans, là, dans le tas, là. Ils ont pas assez peur, eux. Voilà, impeccable. C'est bien, les gars. Bonne répression violente, c'est bien. Castaner sera content. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver, bien sûr qu'on va y arriver. Employons les méthodes fortes. Je dirais... Non, forte, non. Forte, non. Je dirais plus pédagogique. Ferme. Je suis pas violent, je suis ferme. Voilà, on tire une petite baloche là-dedans. Tac. Ah, c'est bon, ils se rapprocheront pas, là, à mon avis. Hein. Mais cassez-vous, quand même. Merde, j'ai encore des potes, là-bas.
Non, non, revenez, non, reculez, parce que je vous ai de vénère, là, mais... J'avais pas une radio, d'ailleurs. Non, j'ai pas de radio, j'ai pris aucun élément de communication, mec. Hop, on va se foutre en mode bouclier par ici. Bouclier par là, vous reculez, vous allez juste tirer... attends, fais voir. Recule, et tire là-dedans, là. Dans le tas, là. Reculez. Il faut juste qu'on tienne ça, 45 secondes, on est bon, les gars. On est bon, vous, là. Vous avec le fusil, voilà. Tac, tu viens de tirer là parce que je trouve qu'ils sont un petit peu... Je pense, j'ai l'impression qu'ils se la pètent un peu là. Tac, ça y est, cadeau mon gars. Non, recule pas trop. Voilà. Oui, il faut rester le plus possible sur la place, mais en fait ils ont un genre d'inertie, ils sont cons. Voilà, c'est bon. Ça va le faire. C'est une minute. La une minute, c'est quand tu perds la place. Ah, d'accord. Ah mais c'est bon là. T'inquiète pas. Ah mais ils me lancent des trucs dans la tête aussi, ça fait super mal, je pense qu'ils se rendent pas compte, hein. Attends, là, ça pue la répression, là. On les chope. Voilà, impeccable. Et on se ferait pas une petite, un petit coup de ratonnade? Tiens, on va choper eux, là. Voilà. Cassez-vous, vous. Tiens, tire dessus. Balle réelle, voilà. Il y en a un qui se plie un peu au sol, j'ai l'impression qu'il a mal. Et ça, c'est leur problème, hein. À la limite, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Faut pas croire, hein. Fais voir, attends, ils sont où, eux, là, voilà. Tirez là-dedans, là. Pour être sûr qu'ils soient au courant de ce qu'ils risquent. Le nombre de balles que j'ai dépensées, mec. Voilà, 1 minute 32, les gars. 1 minute 32. C'est tellement vénère. Ah non, mais j'ai l'impression que c'est un des streams les plus vénères que j'ai fait, quoi. Voilà, c'est bien, les gars. Cassez-vous, vous, là. Merde, j'ai tiré sur un pote. c'est rien. Non mais vous, cassez-vous. Voilà, parce que vous me saoulez. Non mais pour de vrai, par contre, casse-toi. Non mais je vais te bourriner, mec, hein. Attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Non mais venez, non, revenez là. Et j'ai l'impression qu'ils sont en folie meurtrière, mais mes hommes, là, ils... mais ils sont pas pacifiques, les ennemis. Tiens-le dessus, lui, là, il m'énerve. Il y en a un en bas, là, il me saoule. Attends, lui, là. Putain, t'as bien du bol, bouge pas. Vous pouvez pas lui tirer dessus? Il bouge un peu trop. Attends, lui, il bouge pas, là. Tu peux lui en mettre une? Attends, j'ai pas réussi à tirer dessus. Attends, lui, là. Lui. Mais tirez-lui dessus, mon Dieu! Voilà! Alors, lui, mon gars, je te promets qu'il est content de sa manif. Lui, il va pas te poster de statut sur Facebook, je te promets. 37,5, c'est le calibre en fait. Allez, 16 secondes. Tirez là-dedans, et encore là. Voilà, tranquillos. On s'assure la victoire. 4 secondes. À mon avis, ça va se faire bien là. À mon avis, on a gagné. C'était clairement une guerre ouverte, hein. C'était pas du tout de la répression. Ouh, 40 tués. 40 tués, mon gars. Ah. 40 morts. Mec, l'hécatombe. Je devrais pas rire, mec. T'as un LBD lag d'Afrique du Sud qui est calibré en 37 mm. Je t'explique pas la merde. Bah après, s'ils ont besoin de l'utiliser, c'est que forcément de l'autre côté il y a un manque de confiance. Clairement. Est-ce qu'on essaie de se la faire bien histoire de finir le stream tranquille? Allez, on essaie de se la faire à l'aise. On va essayer de la faire pacifique. On va foutre, regarde, des grenades étourdissantes qui sont très bruyantes apparemment selon la description du jeu. On va foutre une radio pour les unités d'assaut parce que c'est assez intéressant quand même la radio, ça permet de faire un regroupement qui est assez rapide. On va foutre une grenade étourdissante et on va foutre ici projectile en sachet. Voilà, lance fumigène F79, à mon avis ça va être assez fun. Ouais, je vais virer la chevrotine pour lui aussi et on va foutre écoute, un autre lance fumigène, pourquoi pas. Matraque extensible. Eh ben écoute, on est bien. T'as fait zéro game avec les manifestants. Pourquoi? Je crois pas. Comment ça avec les manifestants?
La violence est la seule façon de s'assurer que la modération soit entendue. Bravo, bravo, super. Tu fais pareil avec ta femme, espèce de connard. Il parle juste de sa relation avec sa femme, en fait. Je comprends. Bravo. Respect, respect. Vous voulez qu'on essaye? Écoutez, on essaie de faire celle-là, et ensuite on essaye avec les manifestants. Bien que bon. Je vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, cassez-vous tous là, tiens, allez, chopez-moi de droit là, voilà. Oh, ils ont foutu la traque badass là. Fumi, tac. On va foutre ça comme ça. Ils sont où mes boubous? Ils sont où mes boubous? Ils sont là mes boubous. Grenade assourdissante. Voilà, cassez-vous, cassez-vous. Ouh la vache. Je crois que j'ai assourdi la moitié de mes potes en fait. Hop, on va les assourdir par là-bas aussi. Non, 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 revenez. Voilà, tranquille. Voilà. Hop, un petit coup de fusil. Pour être sûr, voilà. Enfin, c'est un fumigène, mais... C'est bon, vous inquiétez pas. On va remonter. Par là-bas. Revenez là. C'est bon, c'est rien. Tac, on est dedans. Ils sont où? Putain, il manque plein de... D'unités, en fait. Voilà. Faut juste que je m'assure qu'ils arrivent à rentrer vite dans le cercle. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va aller... Voilà. Oh merde. Ouf. J'ai des unités qui prennent cher des fois. Hein. Ok, vous c'est pareil. Un petit coup de fumée et je crois qu'il me reste une unité d'assaut là. Voilà. Impeccable. Ouais, j'ai une unité qui prend cher là. C'est parce qu'il arrête pas de se prendre des flashs là pour... Radio, ouais, radio gougou, radio gaga. Voilà, ici. On tient la position, les mecs, on tient la position. Eux, petit fumi, mais un truc tranquille, d'accord? Histoire qu'ils paniquent pas trop. On recule. Kablam! Ouf! Video killed the radio star. Cassez-vous là. Allez, on fait une petite pêche. Allez, on va à la pêche, les mecs. On va à la pêche. Non, revenez. Putain, mais j'en ai qui sont bloqués derrière le fourgon là. Et des fois, ça fait bugger ça. Ok, attends. Putain, mais même mes hommes sont en train de se faire repousser là. Allez. Voilà, tranquillement, à base de tranquillade, d'accord? Ce sont les maîtres mots. Putain, il a lancé un vélo, lui. Attends, je vais le flash... Je vais le fumer tout seul, mon gars. Tiens, casse-toi, toi. On lance pas des vélos à des gens, comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Attends, je vais leur faire un petit coup de pression là-bas. Ah, ouh, ça fait peur. Ouh, ça fait peur, la police. Voilà. Eux, on les recule. Salut, Beckett. Bisous, mec. Non. Reculez. On est en train de perdre. On recule. Aussi long que ça prend, on recule. Putain, on est en train de se prendre des vélos dans la gueule, mon gars. Disperse-les là-bas, là. Attends, on va les disperser tranquille. Ah putain, il me faut une charge. Ah ouais, tiens, regarde. Oh, comment je leur ai brisé leur charge, mec. Voilà, impeccable. Ok, c'est bon, c'est bien. Attends, parce que là, il y a un mec qui est en train de se la péter, là, coup de chaise, voilà. Oh, ça se rapproche en bas. Ouais, là, faut les calmer un petit peu en bas, là. Je les trouve bien optimistes en bas, moi. Attends, je vais me faire une petite charge avec la troupe d'assaut, là. Hop, allez, charge. Non, c'est pas du tout une charge que je leur ai faite, je me suis gouré d'équipe, c'est pas grave. Voilà, il y en a un, il est en train de faire le Scatman John en bas, là. C'est sans doute normal. Ok. Merde, revenez, on est en train de perdre. Voilà. Dommage que tu vois pas les yeux tomber de temps en temps. Classe, bravo. Fier de toi. Ici, voilà, on reste au milieu. Tac. Mais tu vois, j'avais une équipe d'assaut qui était partie, genre, se cacher dans le fourgon, quoi. C'est quoi ces mecs? Voilà, doucement. On va foutre une petite fumée par là-bas. Ici, on va faire un petit peu de répression douce. C'est comme ça que je l'appelle.
On va essayer de leur faire peur un petit peu. J'ai un personnage, il est en train de vibrer depuis tout à l'heure, mec. C'est une catastrophe. En plus, il bug. Le jeu est vraiment beaucoup bugué, je trouve. Mais bon, il reste fun, hein, mais il est vraiment bugué. Voilà. Chut. Si, c'est pacifique. Ça fait beaucoup de bruit, mais faut pas croire, hein. Ça reste tranquille, hein. Tu verrais ce qu'ils font, la policia civile en Espagne, poteau. Je te promets que tu changerais d'avis, hein. Voilà, doucement. On essaye de les contraindre, voilà. On est pas violent, c'est de la contrainte. Alors par contre, je vais les contraindre super vite à coups de pain à la gueule parce que ça commence à me saouler. Tiens, voilà, virer. Pareil en bas, là. Voilà, un petit coup de matraque, ça fait pas de mal. Voilà, ça leur apprend un petit peu le respect. Non mais oh. Mon père, il était charron. Et par contre, en bas, là, ils sont vénères, mec, hein. Faut fixer ces salauds de Trotskars. Les Trotskars, putain. Alors ça, si je pensais un jour entendre le terme Trotskars sur LMF, j'avoue que j'aurais pas cru. Tiens, disperse-les comme ça, là. Voilà, c'est dispersé, ça. Ça disperse bien, ça. Voilà, avance. Non, on avance. Répression. Formulation, détermination. Voilà. Ce sont les maîtres mots. Tac. Ça, c'est tranquille. Une minute, les gars, une minute. Dans une minute, on est tranquille. Oh putain la vache, ils sont agressifs, hein. Tu vois, quand tu tires pas dans la foule, eh ben ils sont agressifs. Donc quelque part, ce que je fais, moi, c'est de la régulation. Et ça, c'est important. Ça permet de garder, voilà, un genre de répression violente, certes, mais tout en arabesque. Tout en finesse. Moi, c'est la finesse surtout, hein, qui me caractérise. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Attends. Voilà, cassez-vous. Putain, je suis encore en train de paumer les trucs. Il y a un peu de sang par terre, je trouve. Matraque. C'est bon, on la maintient la position, les gars. Vous inquiétez pas, c'est rien. Tout se passe bien, là. On va les opprimer un peu. Voilà, ça, c'est opprimé, ça. Nation suppressed. Tiens, cassez-vous. Il me manque qui, là? J'ai l'impression que j'ai des gens qui sont pas là, ouais. Il y a l'unité à Titi là-bas, là. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Il y en a qui s'est pété la gueule en plus. Voilà, et 5 secondes. Attends, il reste qui? Ah, mais il y en avait en haut, regarde! Et bah voilà, non, mais oui, il y en avait en haut, c'est pour ça. J'avais un groupe que j'avais pas. Qui était pas sur la map. Et ça, le truc, c'est que c'est un peu brouillon en fait. Et des fois, t'as des mecs qui sont pas là et dont t'as besoin. Blessé. Ah, il y a que un blessé, mec. Regarde! Mec, je suis un saint! Mec, je suis plus ou moins Gandhi! J'en ai capturé 7 et j'en ai blessé, allez, légèrement 1. Et encore, il a un bleu et ça lui fait mal quand il fait comme ça. Sinon, le reste, ça va, hey, mec. Franchement, ça c'est du skill. Ça, c'est du skill. Peut-être que quelque part, je suis fait pour être un professionnel. Je pense que je vais plus y jouer, en fait, à ce jeu-là. Je l'avais mis un petit peu de côté. Puis celui-là, balle réelle pour les situations critiques qui effraient, disperse ou tue. Et j'avais déjà celui-là, du coup, non? Balles réelles, fusil à pompe M500 et les cartouches létales calibre 7 cm. 7... Néga, ouais. 7 cm. Ça n'est pas... C'est pas un calibre. C'est pas un calibre. 7 cm, c'est pas un calibre, c'est un sabot, mec. Alors, attends, fais voir. Histoire. Si on fait Los Indignados, et on va se mettre... Ah, allez, on est sympa, on se fout du côté des Rioters, d'accord? Allez, on va foutre un petit peu. Pour la dernière partie, on va se mettre du côté des rebelles. Au début de la crise économique de 2011, les Danini ont déclenché les manifestations pacifiques contre le chômage, le manque d'allocations et les politiciens espagnols. Ils ont aussi protesté contre le bipartisme du pays, contre le système politique, le capitalisme, les banques et la corruption des élus. Le 15 mai 2011, les manifestants venus de toute l'Espagne se sont rassemblés pacifiquement sur la place. Le 15 mai 2011, les manifestants... Ah, ok, je ferai mon doublage demain. Ouais, c'est les obus, en fait, 7 cm. Toum, toum. Ok, full divisé. Ça en... Ah, je choisis. C'est quoi, ils ont... Donc, on a les mégaphones. Mégaphones, pardon. On a... écoute, Molotov. On a Caillou. Non, Caillou. Voilà. Et les réseaux sociaux. Merde, je voulais foutre les réseaux sociaux. Bon, tant pis. Peu importe votre taille, si vous avez la foi et un plan d'action. Ouais, non. Ça, c'est faux, ça. Ouais, genre, je suis désolé, je me suis gouré. J'ai fait bas, mais ça m'a mis directement sur aller et je me suis craqué, pardon. Non, mais avec les cailloux et les cocktails Molotov, ça devrait aller, déjà.
Quand tu joues Manif, tu diriges globalement la foule. Ah! Oui, parce que c'est moins des sections, pour le coup. Oui, tu m'étonnes, c'est moins de... Oui, oui, oui. Ouais, je comprends, ouais. Oh, bah, ça doit être plus simple, du coup, de jouer... j'ai le jeu depuis, je crois, 2016 ou 2017, et j'ai jamais joué les manifestants, mec. Jamais joué les manifestants. Ok, d'accord. Et... Ah, j'ai quand même... Si, j'ai quand même quelques trucs. J'ai quand même quelques équipes. Allez, un petit coup de mégaphone. Macron, démifiant, c'est sympa, Macron, démifiant. C'est quoi toutes les touches du coup là? Il y a E, c'est quoi? Faut gueuler? La 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 la. Allez! Tiens, un mégaphone, prends les mégaphones, tout le monde au mégaphone. Macron, t'es qu'un con, dans le cul. Macron, t'es qu'... Ils vont nous tabasser, attention. J'espère que vous êtes tous prêts parce que ça va nous arriver en plein dans la gueule. J'espère qu'ils jouent pas comme moi, je... Jouais. Y'a des chances que si. Macron, t'es foutu. Babybel. Macron, t'es vraiment pas gentil. Les Français, ils en ont quand même un petit peu ras-le-bol, je dirais. Je peux pas lancer les... Attends, fais voir, c'est quoi? Si j'appuie sur triangle, qu'est-ce que ça fait? Sur Y, qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression que ça me met en mode hostile, c'est ça? Et là, je suis en mode révolution, c'est ça? Et bah ben, là, mon gars, je vais leur faire péter, parce que, attends... Certes, je joue les flics violemment, mais vous m'avez pas vu jouer les manifestants, mec, hein. Attends, bouge pas, mon gars. Bouge pas, mon gars. Tiens, regarde. Ça, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire, par contre. Attends, fais voir. Je vais leur gueuler dessus au mégaphone. Là, ça va bien les faire chier, ça. Tac, on va se foutre comme ça. Et là, poteau. Merde. J'en sais mon molotov n'importe où, mec. Attends, refile-lui. Haha. Non, mais je suis en train de leur montrer qu'on a des molotovs et qu'on a pas peur de s'en servir. Regarde. Sur eux, mec. Pile sur eux, oui. Ouh. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, ça. Allez, mégaphone, maintenant. On dirait que c'est les Black Blocs. Balancer les morceaux de Tagada Jones. Oh, ils ont allumé les lumières. Oh, mec. C'est marrant comme, comme détail. Ils ont rajouté des lumières parce qu'on vient de passer la nuit. Macron, démission, va faire quand même, tu trouves un endroit dans le calendrier pour aller niquer ta race. C'est quoi le petit drapeau là? La barricade est foutue? Ouf! J'ai quelqu'un qui s'en est mangé une, je crois. Là. Je crois que c'est Michetons, il était chaud hier soir pour aller faire la révolution, mais là c'est moyen là. Oh là là, oh la dispersion de fou, mec, j'ai l'impression de voir un banc de poissons. Attends, remettez-vous en mode normal, je vous mettrai pas trop en méchant, voilà. Restez là et gueulez au microphone. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De toute façon, ils vont pas nous madraguer. En bas à droite, on peut voir qu'il est en mode easter egg. Quoi? En bas à droite? Je comprends pas ce que tu dis. Macron, t'es foutu. Va falloir que tu la mettes dans le cul. Attends, molotov. On va voir si une petite molo là-dessus. Attention, le lob. Kobe, ouh. Ah, j'adore. Y a pas à dire, la violence, c'est marrant quand même. Eh, 2 minutes, on est bien là. Hein. Non, on n'est pas violent, c'est pas vrai. Tu sais quoi? Non, c'est pas de la violence, c'est juste qu'on en a un petit peu marre. Alors, on en a marre, déjà les politiciens, j'en ai marre les politiciens. Ça fait 15 ans, on prend pour un con, c'est bon. Moi, je suis chelou. Donc, on en a marre. Macron... Je fais bien le français indigné ou pas? Attends, on va leur gueuler dessus un petit peu là. Gueulez leur dessus au mégaphone là, ça va aller. Ah là là! Midi 5! Impeccable. Tu le fais bien, non mais oui, ça c'est les années d'observation. J'ai une famille de gauche après tout. Hein. Tu refais plus jamais ça. D'où je fais plus jamais ça, je fais ce que je veux déjà d'une. Qu'est-ce que je fais? Je leur craque une petite molo encore? Attends, on est à 1 minute de la victoire nationale quand même. Non, les cailloux. Les cailloux sur eux. Allez, lancez les cailloux! Ah, ça fait chier les cailloux, hein. Vous avez pas du tout lancé de cailloux, en fait. Non, mais quand j'ai dit lancer les cailloux, vous avez fait quoi? Vous avez rien fait, en fait. C'est ça? Vous avez pas lancé de cailloux. Voilà. Et du coup, on est dans la merde. Lancez les cailloux un peu, là. J'ai l'impression que vous y mettez pas vraiment du vôtre, hein, les gars, hein. Parce que quand tu joues flic, au moins, t'as au moins l'impression que les gars, ils sont d'accord. Voilà, bourrinez tout, gueulez tous.
Gueulez tous. Lancez les cailloux là, c'est bien, lancez bien les cailloux dans la gueule. T'es en train de lancer les cailloux là? J'arrive pas à me rendre compte. Ouf, j'en suis pris une petite je crois. C'est rien ça. Je suis de gauche mais ça me fait rire quand même. Et non mais on rigole comme ça, mais t'inquiète pas, il y a plein d'aspects politiques, enfin de gens de bord politique différents à LMF, c'est tout hein, t'inquiète hein. T'es pas le seul hein. Y'en a qui le disent pas trop fort mais qui le sont quand même hein. Voilà, zone occupée. Brr brr brr. Skibidi wapop. Eh là franchement, j'ai blessé personne. Regarde. Résultat politique, moins 16 quand même. Pourquoi moins 16? C'est à cause de la violence? Bon, la violence, un petit cocktail mollo. La manif a resté à la police, police prudente, manifestants ont gardé le contrôle. Bim, mon gars, qu'est-ce que je vais choper? Est-ce que je veux pas débloquer un nouveau truc? Déverrouiller, non. C'est tout? J'ai juste déverrouillé, non? C'est de la merde, c'est quoi ça? Appareil photo, non! Ah, comment c'est faux, mec? Quantité de drapeau? Énormément? Aucun matériel défensif. Guérilla. Ah ouais, carrément. Fais voir. Attends, je veux un minimum de gens. Minimum de gens. Matériel défensif, guérilla. Ça fait quoi du coup? Est-ce que j'ai des... Non, j'ai rien de plus. Ok. Allez, c'est type. On va voir ce que c'est le matériel défensif, guérilla. Là. Respectez votre uniforme. Si vous le faites pas, personne d'autre le fera. Ça veut rien dire. C'est marqué quoi? Mothos andalouse. Normalement, en manifestant, tu fais en sorte que ce soit les flics qui deviennent violents. C'est toute la subtilité. Faut arriver à garder la zone tout en provoquant la violence. Et dans le jeu, c'est pareil ou pas? C'est vrai parce que IRL, bah, ils arrivent bien à provoquer la violence. Sauf que, apparemment, tout le monde s'en branle. Et les mecs, hein, ils se font matraquer. Les mecs, ils se font choper à 5 contre 1, un coup de matraque télescopique. Je te promets que ça les choque, hein. Et les mecs, ils font, ah non, il y a eu de la violence, non? Bah ouais. D'accord. Non, c'était juste pour être sûr. Comme quoi, hein. Faut rester ici? Ouais, je vais occuper la place. Allez, balancez vos meilleurs réseaux sociaux. Les réseaux sont sociaux. Les réseaux, ils sont sociaux. Et ça rend le... Bah, c'est assez compliqué parce que... Déjà ici, moi, j'ai pas 4G. Immortaliser l'événement. Allez-y, immortalisez-le, hein. C'est à un moment où il faut devenir immortel, c'est maintenant, les mecs. Parce que je pense que là, déjà, ils nous ont à moitié en tenaille. C'est champ max, hein. Les réseaux sociaux, c'est les appels de renfort. Non, c'est vrai? Mais comment je fais pour... Ah! Ah mais non, mais j'ai dit, c'est de la merde. Attends, fais voir. Regarde. Ah, ça, c'est de la violence. Oh putain, t'as vu toute cette violence? Attends, vas-y, prends en photo, regarde. Ah, on se fait opprimer. Je suis opprimé de ouf, là. C'est super cool, le truc de prendre l'appareil photo, mec. J'adore. C'est trop bien. Les réseaux sociaux, appel... On s'est fait gazer. j'ai plus personne pour un appareil photo là. Non, j'ai plus personne qui a d'appareil photo. Ils sont en train de nous gazer, les enculés. Oh, ça se fait pas. Franchement, je ferais jamais ça, moi. Ok, vas-y, attends, on peut pas choper des preuves qui sont en train de nous matraquer là. Alors, regarde. Bim. La matraque, c'est patraque. On en a plein de patraques. je suis nul par contre enchanté, j'avoue. J'avoue, je suis pas top. Mais ça demande de l'entraînement, c'est comme tout, hein. La matraque, c'est pas track. Regardez, on est gentil. Attends, j'attends le moindre début de commencement de baston. Je te promets que, regarde, tac, ça c'est pris déjà. Le tabac, c'est... Bah non, ça on s'en fout, hein. Le tabac, c'est sympa. Pourquoi qu'on... Pas sympa. Ah, c'est bon, il y a d'autres mecs qui arrivent. On est en train de rallier des gens à la cause. Si tout le monde vote, ça prend un sens. Ah, ils sont en train de nous tabasser de loin. La matraque, ça rend pas track. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'en ai pris plein la gueule. Le flashball. Ouïe, ouïe, ouïe. Gueulez au mégaphone. Ils sont en train lentement d'essayer de nous virer, là. Vous inquiétez pas. Faisons le tour. Faisons le tour, regarde, c'est bon, on va couler. Ouais, gueuler, c'est bien ça, faut gueuler. Ça fait quoi les drapeaux? Je sais pas ce que ça fait les drapeaux. C'est un genre de petite barricade? Petite Marie. Ouais, je vais prendre une petite photo là, regarde.
et 1, et 2, et 3, 0, on est en file. Je crois d'ailleurs que j'ai téléchargé un mode pour des hooligans. Attends, je vais aller voir ça tout à l'heure. Il me semble que dans le contenu machin, j'ai un mode hooligan. Nous avons capturé des meneurs et ils n'ont même pas pu se défendre. Attends, mec, mec, presque. Ah, c'est chaud. Attends, je crois que j'en ai pris. Je sais pas si j'en ai pris. On est 91 likes, c'est pas top. Hein. Vas-y, on va leur gueuler dessus à eux là. Un agressif, il monte une barricade. D'accord, ok. Attends, s'ils reviennent prendre des mecs là, je te promets que je vais faire une photo. Alors là, je te promets que la photo. Oh là là. Attends, on va prendre une petite photo de là déjà, on va voir si ça nous file des likes. J'ai des likes ou pas? 443 likes, poto, ça c'est bon ça. Ça, si on vend au PPM, on se fait facilement 15 balles avec une photo comme ça. Ah bah, faut y penser, mec, hein. Parce que là, c'est la manif, mais après, j'ai plus de boulot, moi. Donc, bon. Par contre, on est en train de se faire repousser peu à peu là, non? Qu'est-ce qu'on fait? On les matraque? Bon, bah, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on matraque un petit peu, hein. Et on, les connards, cassez-vous. Attention! Fais face à celle-là, elle est chaude. Tu t'es cru où, patate chaude? Tu vas le lancer, ton putain de molotov, on est en train de se faire éclater, là. Putain, ils sont coriaces, les connards. Regarde. Tac. On peut avoir des potes? Mais tu vas lancer ta molotov ou t'attends quoi? T'attends qu'il refroidisse? Putain. Tiens, lancez des cailloux, voilà. Lance des cailloux. Lance bien tes cailloux, Taras, c'est bon, 5 secondes, ils vont pas nous virer en 5 secondes. À part si, bon, ils ont une calibre 50. Voilà, ils ont occupé, boum, le sitting, voilà. Enfin, moi, de manifestant Europe de l'Est, où dès le départ, tu commences violence max des deux côtés, c'est une team deathmatch. Rebelle capturé 7, on s'en fout, on a gagné l'opinion publique. 99-2, mec, 99-2. Putain, mais je suis un génie, poto, je suis un génie. Fais voir, repli des Mossos. Appareil photo, ça c'est bon. Mattia Burdello. Enfant inoffensif qui génère chaos et violence aléatoirement autour de lui. C'est Adwim. C'est Mathieu, ça se dit, hein. Clown. Nani. Ah, c'est genre les manifestants où les gars ils se déguisent en clown et puis c'est rigolo, c'est ça? Fais voir, parce que il me semble que dans le Steam Workshop, j'ai des hooligans, non? Non mais non, du coup je voulais me mettre... Retour. On va se mettre du côté Manifo. Yellow Vest, Austad Stadium, Hooligan Fight. Voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est bien, on va pas prendre l'appareil photo, par contre on va prendre uniquement des battes. J'arrive à la conclusion que la politique est une question trop sérieuse pour être confiée aux politiciens. Charles de Gaulle. Charlie, si tu m'entends de là-haut. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a des bouteilles? Oh mec! Malox réduit temporairement l'effet des fumigènes. Est-ce qu'on est directement en mode massacre là? Allez, mode massacre. Lancez tout les gars. Voilà. C'est bien ça. Moi je fais des petites bulles que je crache en l'air. Elles sont si belles, volent jusqu'au ciel. Comme dans les rêves, à la fin elles crèvent. Ouais, j'aime bien hooligan. Mais où est donc la chance? Tac, molotov sur mon pote, m'en bats les couilles, moi. Ça me met en transe. Les cailloux, lancez les cailloux. Ça m'énerve. Ça l'énerve, les cailloux. C'est un nomade, hein. Tiens, on voit ça. Prenez un petit peu de malox aussi. Je pense que ça va gazer vite. Ça va gazer sec, comme on dit. Vas-y, cailloux. On balance les cailloux. Ouais, c'est bien. Il nous reste du mollo ou pas? J'ai l'impression qu'il nous reste du mollo. Non, c'est... Merde, je me suis lancé un mollo sur moi-même. C'est pas grave. Pose pas de problème. Cailloux. C'est un nomade, hein. Capiap, Pécor, Barric, Cossu, faut pas la différence. Ouf. J'en suis pris une petite, je crois. C'est pas grave. C'est signe de bonne entente. Tiens, cassez-vous. On a gagné le match. Julius a gagné le match. J'ai mis 3 buts. Vous l'avez tous vu, 99 francs depuis la fois où je vous en ai parlé ou quoi? Parce que putain... Ouais. Julius a gagné le match. J'ai mis 3 buts.
Ça me met en transe. Maintenez vos positions, gardez votre calme. Ouais, c'est ça, garde ton calme. On va te péter la gueule. On va vous éclater l'oignon. Lance les cailloux, lance les cailloux. Il est fun ce jeu en fait, la putain de sa mère. Je m'amuse de ouf. On va vous éclater l'oignon. Allez, fonce, 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 on fonce, on fonce, on fonce. On fonce, on les enfonce. Partout je fonce, toujours j'enfonce. Comme disait la 8ème compagnie de blindés de... que Momo il kiffe. Je me souviens pas du nom. Tac. Oh, les molos toujours. Mais j'ai plus de... Le truc c'est que je peux pas les repousser plus loin en fait, je sais pas pourquoi. Allez, descendez. Attends. Vous là. Parce que là pour l'instant vous servez à que dalle. Revenez en bas. Ah putain, en train de se faire repousser. Mais vous voyez bien que je suis déjà repoussé. Tac, casse-toi. Bim, la molo. Allez, on fonce. Dans la mêlée. J'avais vu un documentaire sur les ultras polonais. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de malade mental. Ils sont tous... Enfin, ils ont tellement envie de sang, si tu veux, que ça en est drôle. Ok, on va faire un petit coup de molo là-dessus. Mais on peut pas les tabasser, genre... Parce que j'ai l'impression que... Oh, putain, il y a le camion qui avance. Ouh, le camion, c'est chaud un peu, ça. Balance, molotov sur le camion. Voilà, si, molotov sur le camion, c'est bon ça. Fais cramer le camion. J'en ai encore. Cramer le camion, les gars. C'est pas le reporter de l'extrême. Si, je crois que c'est ça. Mais c'est un truc sur YouTube, ouais. Et ouais, c'est un gars qui va en Pologne. Il se fait un peu accepter, tu vois, vite fait. Et ouais, non, c'est ultra vénère. Ultra vénère. Ils sont vraiment... Qu'est-ce que... Ah non, il me manque un groupe. J'ai l'impression que j'ai un groupe qui s'est fait... qui s'est rendu. Non, c'est bon. J'ai mal lu le truc. Et par contre, quand ils ont un camion, c'est super dur, hein. Fumier, ils l'ont tué employant la manière forte. Ah. Je crois qu'on a fait une connerie, les gars. Ah, ils sont mis en mode vénère. Ah ouais, vous vous êtes mis en mode vénère. Eh ben, regarde, elle prend deux molotov, on va voir. Voilà, c'est bien les gars, bon réflexe. Pour réflexe, y'a point S. Voilà, c'est bon, les camions reculent. Putain, on a buté des flics. C'est chaud, non? On a buté des flics, mec. 23 secondes, par contre, je pense pas qu'on va la réussir, celle-là. On peut les spammer de molotov, hein. Mais je pense pas qu'on va la gagner, celle-là. Après, on s'en fout d'avoir une occupation pacifique. Étant donné qu'on est plus. On est des. Mec, on est des hooligans, on s'en fout de l'occupation pacifique. On n'a pas de revendication politique, on veut juste péter les gueules. Alors, limite de faire un truc pacifique, justement, c'est contre-productif. Voilà, zone occupée, mon gars. Yes. Je crois que j'ai buté des flics. Ouais, j'ai. Ah non! Ah si, on a buté 5 flics. Ouais, on a buté 5 flics quand même. Ah, c'est chaud un peu. Résultat politique, moins 100. J'avoue, ouais. Non, j'avoue, j'ai merdé. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu. On a vu quand même des bords politiques extrêmes. Et non, c'est cool. Il est sympa, je trouve, le jeu. Mais il manque de polish. Je trouve que... Puis je crois que le studio l'a complètement abandonné. Donc, policier 0% en global. Ah oui, parce que j'ai fait que le mode histoire, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. C'est dommage qu'il n'y ait pas de multi, ça aurait pu être marrant. Mais bon, bref. Je vous fais un gros bisou. La prochaine fois que moi je stream, ce sera samedi, et ce sera un stream événement. Parce qu'on sera avec Spider, Scad et Momo. Et on va faire du raft. Et comme Momo a peur de tout ce qui est vraiment vénère sous la flotte, je pense que ça va être assez intéressant. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Voilà, impeccable. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus. Demain, qui c'est qui stream demain? Est-ce que je peux vous dire qui c'est qui stream demain? Demain, c'est Spider, normalement, qui stream demain. Donc voilà, soyez là. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus. Allez, ciao.